J'ai reçu un joli petit produit que tu pourras peut-être gagner dans cette vidéo. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter un hub USB. Avant de continuer, il est à gagner. Pourquoi? Parce que je pensais, en fait, l'entreprise m'a contacté, m'a proposé de me l'envoyer gratuitement. Et je me suis dit, ouais, trop cool, un petit hub, j'en ai besoin pour mon MacBook. Et malheureusement, vu que c'est un 2009 que j'ai acheté sur Le Bon Coin pour pas cher du tout, donc même pour cette série Le Bon Coin, j'aimerais pouvoir la poursuivre, même si ça prend énormément de temps. Il y aura des contraintes dessus, par contre, je l'ai acheté 300 € le MacBook, donc un 2009, et forcément, il n'y a pas de port USB type C. J'ai juste oublié le nom. C'est pas grave. J'y suis pour rien. Donc forcément, je l'ai quand même testé pour voir s'il fonctionnait correctement. Bien entendu, il fonctionne bien. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi pas le faire offrir eh bien, à ma communauté. Les résultats des deux gagnants sont affichés juste en dessous de l'écran. Donc pour les deux patchs anti-ondes électromagnétiques, les phase up, eu un petit retard. Alors pour vous expliquer, au niveau des concours, c'est assez compliqué dans le sens où j'aimerais vraiment que les gagnants, ce sont des personnes qui me suivent vraiment sur mes chaînes YouTube ou qui sont un petit peu actifs, quoi, qui regardent un petit peu, parce que je sais que lorsque tu mets en place des concours, eh bien, il y a des gens qui vont participer et ces personnes-là sont là juste pour les concours et c'est pas le but. Moi, je veux pas donner comme ça des cadeaux et tout en mode wall again à des personnes bien qui sont juste là pour ça. Non, moi, mon but, c'est vraiment de trouver des personnes actives et donc, en fait, le concours, il se fait dans la barre des commentaires sur mes vidéos et bien entendu, en parallèle, sur mon compte Instagram, je vais afficher donc la photo eh bien, du produit en question. Et par la suite, il faudra aussi mettre un commentaire sur mon Insta. Ça permet de voir en fait qui est vraiment actif et de sélectionner les personnes. Après, vous me faites confiance, mais je pense pas vous baiser là-dessus. Je trouve ça super cool en tout cas. Et je tenais aussi à vous préciser tous qu'il n'y a plus de publicité sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que j'ai décidé d'enlever toutes ces publicités. Qui sont des contraintes parce que souvent c'est des pubs de 30 secondes et donc j'ai décidé de l'enlever et d'enlever un partenariat en fait avec YouTube, même si j'ai d'autres partenariats que ce soit avec Google par exemple, mais enlever ce genre de choses qui pour moi n'ont aucun intérêt et n'assurent en fait finalement aucune sécurité sur mes chaînes YouTube. La marque est Kakok et il s'agit du GN30H. Alors au niveau du packaging, c'est très très simple, hein. On regarde, hop, on a juste le premier carton à enlever, on a une petite boîte en carton pas terrible, donc que j'enlève juste ici. Et donc ici, on va regarder ce qui nous intéresse le plus, et bien forcément c'est le produit en lui-même, qui est ici, notre petit hub, qui est assez sympa, sachant qu'il y a une petite sacoche. Alors ça, c'est le point positif, c'est d'avoir une petite sacoche qui est ici, par contre qui est vraiment, mais vraiment très simple, et elle est pas épaisse, donc tu sens que, voilà, on est dans une sacoche pas cher, mais qui, pourquoi pas, peut être utile pour d'autres choses. Et donc forcément, sur ce petit hub, c'est assez sympa parce que on peut mettre forcément une carte SD à l'intérieur, une carte micro SD. Je vais vous la zoomer pour vous, hop, comme ça, c'est assez sympa à voir. Donc, micro carte SD, carte SD, et on a trois ports HDMI l'autre côté, 3.0, avec aussi un port HDMI. Et donc ici j'ai dit 3 ports USB 3.0 si je me suis pas trompé. Donc ça c'est sympa, avec un port bien sûr Ethernet et puis ici un port C si je dis pas de bêtises. Il est plutôt petit, très léger même honnêtement, donc franchement pour le transporter c'est très très facile, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis surtout, c'est très pratique ce genre d'accessoire, parce que quand tu es souvent dans le gaming ou que tu aimes bien faire du montage vidéo ou d'autres choses sur ton PC, un petit peu plus poussé, tu as besoin de beaucoup de ports USB, souvent, pour que ce soit clavier, souris, blablabla, casque même. Avoir 3 ports USB 3.0 aussi en plus, ça peut toujours servir, même si tu veux aussi connecter une clé USB ou même un disque dur. Donc, il y a pas mal de choses. Donc ici c'est plutôt potable. Au niveau des points négatifs, après une demi-heure d'utilisation, j'ai remarqué que le hub va chauffer un petit peu. Donc après quelques heures d'utilisation, c'est sûr que si tu transmets beaucoup d'informations à travers le hub jusqu'à ton ordinateur,
ça a pas trop aimé quoi. Bien entendu, il est incompatible avec le Asus ZenBook 3 et d'autres ordinateurs, donc bien faire attention que ton ordinateur puisse et bien supporter ce hub et que ce soit aussi tous les autres produits en question quoi. Le prix est de 89,99 €, sachant que de base sur Amazon il a 179 €. À 179 € un accessoire comme ça, même s'il peut supporter aussi, je vous l'ai pas dit, au niveau de la HDMI, de la 4K, ça fait quand même très cher. 89 €, on est vraiment sur un produit, je trouve, assez cher, sachant que la boîte en elle-même n'est pas non plus ouf. Hein. T'as juste en gros le produit avec la petite sacoche qui est assez mince, sans... Bon, enfin, c'est moyen quoi. Le produit en lui-même, il marche très bien, c'est juste que le prix est peut-être un petit peu trop élevé. Après, dis-moi ce que t'en penses dans la barre des commentaires, n'hésite pas. En fait, pour aujourd'hui, c'était à peu près tout. Je voulais juste vous parler au niveau du concours et vous montrer un petit peu ce produit-là. Sachant que lorsque je vais faire apparaître en fait le nom ou le gamer tag et bien des gagnants pour tous mes concours, que ce soit mes prochains concours ou ceux d'avant, il faut bien savoir que c'est à vous aussi de me venir me contacter, attention, sur Instagram. D'accord, comme ça après moi je relance le concours, bien évidemment si je vois que les personnes n'ont pas vu qu'ils ont gagné. Donc à chaque vidéo que je présente un produit et que je vous dis bah tiens ça je vous l'offre, à ce moment-là je vais faire une annonce aussi en même temps dans la même vidéo en vous disant bah voilà les gagnants de mon précédent concours, etc. etc. Et en même temps je lance le nouveau concours avec le nouveau produit. En tout cas, je vous remercie énormément de tout votre soutien, de vos commentaires positifs et avoir la possibilité de aussi de tester certains produits et de pouvoir vous les offrir. C'est pas rien. Donc, je suis très très content. Et puis, petit message aussi à propos de ma chaîne secondaire. Il y a toujours des petites publicités en ce moment parce que je suis pas arrivé encore à enlever toutes ces pubs là. Mais que j'aimerais, j'ai décidé voilà, de ne plus mettre en ce moment de publicité. Comme ça, vous n'avez pas ces pubs là. Puisqu'en fait, je trouve que si, le système de YouTube en ce moment, c'est un peu dans l'abus. C'est-à-dire qu'il nous force à mettre de plus en plus de vidéos pour que dans les algorithmes, on soit vachement mise en valeur. Enfin, il y a plein de choses comme ça que moi j'ai juste envie de faire des vidéos normalement et de poster quand j'ai envie sans avoir à être forcé à poster des vidéos. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever des publicités, toutes les publicités, dans le sens où je suis un petit peu la gueule et que moi je suis juste un youtubeur, je créateur de contenu, je fais des vidéos et c'est tout, pas plus. Je me casse pas la tête quoi. Et que je trouve depuis un certain moment que le système c'est un petit peu vicieux et qu'il y en a beaucoup, c'est vrai que qui font des titres assez aguicheurs pour avoir de la rémunération via ces publicités et je trouve ça relativement dommage. Ça fait un truc bizarre en fait sur YouTube en ce moment et que je me dis ouais Christo, enfin voilà, moi je suis allé, c'est bon, toutes ces histoires-là ça m'a pris la tête donc j'enlève ça, voilà, j'enlève toutes les publicités et tout, tu fais ce que tu veux et comme ce que j'ai toujours fait quoi, et tu présentes ce que tu as envie de présenter. Et si vous avez des idées même de vidéos ou d'objets que je devrais présenter, bah n'hésitez pas. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo et n'hésitez pas aussi à trouver eh bien ce fameux hub dans la description si vous voulez plus d'informations et tout. Je vais vous mettre je pense le lien Amazon avec un peu plus de caractéristiques si vous êtes intéressé. Et tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.